Aujourd'hui, le monde se souvient du génocide arménien. Voici un peu plus d'un siècle se préparait un crime contre l'humanité dans lequel des hommes, des femmes, des enfants ont été méthodiquement assassinés. Comment peut-on aujourd'hui encore le nier, ne pas le reconnaître, ajoutant ainsi à la souffrance, à la peine, à l'indignité, à l'insupportable? Le crime commis contre le peuple arménien, cette tentative de le faire disparaître avec sa culture est une blessure profonde et vive, pas simplement pour les Arméniens et leurs descendants, mais pour toute l'humanité. Le reconnaître, c'est aider à rendre l'avenir possible. Ne pas oublier, c'est lutter contre tous les génocides, toutes les haines, tous les racismes et les violences, et se porter aux côtés de tous les peuples aujourd'hui encore opprimés. La mémoire est là, et avec vous, je veux la faire vivre parce que cela vient nous rappeler que nous sommes l'humanité, ou plutôt que nous devons l'être mieux ensemble. Je veux vous dire aussi que c'est fort, tout ce que nous avons en nous d'Arménie. Alors pour ce 24 avril, je me souviens.